Mais Ah, ça c'est y chaud. est, ça coûte pas cher de remplacer ça là. Bah, ça coûte rien. Bah voilà, exactement. D'accord. Pas d'énergie. Bah oui. Première étape de fête, on a inversé. Donc on a mis le lit ici. Là, maintenant, c'est du boulot. Ok, donc là, le but, c'est d'accrocher ces trucs-là dans les rideaux. Mais une fois trop petite, je le sais déjà. Et comment je fais? Oh, non! Maëlle est venue m'aider, il les a posés. Putain, je suis nulle! Je suis incapable! On va tester. Ensemble. À toi. Putain, les gars, mettez ça dans votre chambre, c'est incroyable. On continue, on va changer ces quatre-là. En fait, c'est pas notre chambre, c'est ma chambre. Après, il m'a dit qu'il était d'accord, hein. Il m'a dit, fais ce que tu veux. Moi, j'exécute, hein. Allez, Lyon, tu peux le faire. Et de un. Bon, ensuite, j'ai acheté ça. Mais pour moi, c'est la pièce la plus douteuse de toute cette chambre. Après, je me dis, puisque c'est blanc, les murs sont blancs, le lit est beige. Le tapis est beige, les meubles sont blancs. Je me dis, couette rose en fait. Let's go. Regardez la couette que j'ai pris. Oh là là. C'est une couette, c'est pas un plaid. Je sais pas s'il va bien aimer ça par contre. Bon, on verra. Ça fait 10 minutes que je cherche. Non mais je suis vraiment con, putain. Ça fait 10 minutes que je cherche l'entrée. Mais en fait, il n'y a pas d'entrée. C'est la couette. Je suis trop bête. Je crois que c'est une housse. Oh là là. Regardez comme ça. Mais ça rend tellement mieux en vrai, purée. Je suis en train de me construire mon petit coin à moi, donc j'ai rajouté un petit tapis pour que ça fasse un petit peu plus cocooning. Ça continue, ça continue. Je viens d'installer les LED derrière la télé pour que ce soit joli le soir. Il est 23h. Oula, mais c'est la fiesta ou quoi? Je pense que j'ai fini. Regardez-moi ce après. C'est clairement ma chambre, moi. Ouais, je suis désolée, mi amor, mais. J'essaie de vous montrer du mieux que je peux. Mais voilà. Maintenant, on va voir la réaction de Maëlle. Et je sais pas si je l'ai dit, mais Maëlle, il m'avait donné 1000 euros de budget et j'ai dépensé 380 euros pour tout refaire. Donc franchement, ça va quoi. Donc je répète, quand on rentre, du coup là, on a notre dressing et du coup, la chambre. C'est parti! Laisse ouvrir la porte et y aller, hein. Tu veux pas reconnaître la chambre? Comment c'est? Vas-y, John, montre-moi comment c'est dedans. Ah oh bah lui il a déjà vu 10 fois. Ah mais t'as acheté une couette? Ok. Bah ça va. T'as pas tant changé que ça. Hein? Mais t'es sérieux frère? Si si t'as pas mal changé mais je trouve que c'est pas moche quoi. Ah, bah le but c'est pas que ça soit moche. Attends mais du coup c'est déjà le genre là-bas moi maintenant. Alors, est-ce que... Ah, mais c'est très beau. Tu m'as fait ton caca boudin, est-ce que... Ah, c'est... Je sais, faut m'écouter, je suis sûre que ça va être moche, il va falloir retourner. D'accord, non mais Léa, c'est très beau, je suis totalement d'accord. Mais quand tu te mets là, bah voilà, tu vois pas ce qu'il y a derrière. Mais alors, on voyait, est-ce qu'on regardait déjà? C'est vraiment une drama queen, toi. Hein. C'est-à-dire que s'il y avait eu la télé, on aurait vu les rideaux. Oui, mais là, ça aurait pas fait le même effet. T'arrives, là, tu vois le lit, la chambre, tout. Alors qu'on s'en fout de voir la télé, le lit, c'est plus joli. Bon, combien sur 10 au final? 10 sur 10. Oh yeah!